qu'on a appris, ce que l'expérience nous a montré, c'est que sortir d'une situation de conflit, même lorsque le conflit s'est arrêté, prend énormément de temps. Je suis François Bourguignon, je suis professeur émérite à l'École d'économie de Paris. J'ai un passé de chercheur sur les questions d'inégalité, de pauvreté et de développement. Et j'ai été pendant un certain temps le chief économiste et vice-président de la Banque mondiale, avant de devenir le directeur de l'École d'économie de Paris et avant de devenir un professeur émérite. En anglais, on parle souvent de réengagement de pays dans une vie économique entre guillemets normale après un conflit. Le problème qui se pose, c'est le suivant, c'est une sorte de cercle vicieux typique des situations d'après-conflit dans lequel la sécurité n'est pas rétablie. Et cette absence de sécurité entraîne l'impossibilité de reprendre une activité économique. Cette impossibilité de l'activité économique entraîne une pauvreté de la population et l'absence de possibilités d'emploi, etc. Et ça pousse ces mêmes personnes vers la criminalité. Donc on a une sorte de cercle vicieux par lequel la sécurité et la pauvreté s'auto-entretiennent. Une possibilité, c'est effectivement dans ces zones qui sont des zones d'insécurité et de non-droit, rétablir ou entreprendre des travaux qui vont rétablir des routes, des ponts, des mini-centrales électriques, etc., donne du travail aux gens, amène un flux de revenus dans la localité ou dans les localités, et donc permettre de reprendre un minimum d'activité économique de façon extérieure au système. Et, c'est une façon d'essayer de sortir de ce cercle vicieux que j'ai décrit tout à l'heure. Et je crois que c'est un petit peu, là, ce que je viens de décrire, c'est un peu un résumé de la façon dont les économistes ont tendance à regarder ces situations très très particulières de sortie de conflits majeurs dans différents pays. Alors, le financement fait partie d'un compartiment spécial de l'aide au développement qui est géré par des organismes comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres. De fait, les donateurs bilatéraux, comme l'Agence française de développement en France ou FCDO en Angleterre, suivent à peu près les mêmes règles. Et donc il y a un compartiment spécial qui est destiné aux pays dont la gouvernance est relativement faible, et donc ne peuvent pas être mis sur le même plan que d'autres pays en développement qui, eux, ont une gouvernance plus satisfaisante et dont on sait que l'aide qui leur est donnée va être utilisée par les gouvernements qui la reçoivent de façon efficace. Comme on n'est pas sûr dans les pays post-conflit ou les pays très fragiles que ce soit le cas, alors il y a effectivement des fonds qui sont dédiés à ces pays-là et une allocation qui se fait entre ces pays uniquement, mais sans concurrence par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est le premier point qui différencie l'aide traditionnelle au développement par rapport aux pays fragiles ou pays en reconstruction. La deuxième différence, c'est que comme justement les gouvernements sont peu fiables, les donateurs essayent, dans la mesure du possible, de véhiculer l'aide à travers des organisations non gouvernementales, des acteurs civils dans lesquels ils peuvent avoir confiance et à partir desquels ils peuvent se dire que l'aide sera effectivement utilisée de façon efficace et pour résoudre le problème que j'ai signalé tout à l'heure et cette sortie du cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure. La première chose à dire, c'est qu'il y a tout de même quelques expériences passées qui sont tout à fait satisfaisantes. Un cas évident, c'est l'Ouganda. Après la guerre avec la Tanzanie, le pays dans un état absolument lamentable. Il y a toujours eu une rébellion dans le nord du pays qui a duré très très longtemps, mais le pays est revenu à
une situation beaucoup plus favorable et a bénéficié effectivement d'une aide assez considérable qui l'a emmené sur un chemin de développement qui a été très satisfaisant. Je crois qu'en Ouganda, ça a fonctionné parce qu'il y a eu une prise en main de la part des donateurs, des bailleurs de fonds internationaux qui a été extrêmement efficace. Et en même temps, on a eu un gouvernement et un gouvernant qui a été capable de rétablir les institutions sur sa personnalité. Je crois qu'on ne peut pas nier le rôle crucial que jouent les leaders dans ce genre de situation. Mais si on prend un autre cas, le cas du Ghana, le Ghana qui est passé par une période, il y a beaucoup plus longtemps de ça, qui a été difficile, le Ghana est un pays qui est arrivé à un système démocratique complet dans lequel les présidents s'en vont au bout de 5 ans d'exercice, il y a des élections. Et même si un président gagne avec 1% d'écart par rapport à son concurrent, c'est accepté. Mais là encore, il y a eu à un moment donné dans l'histoire du Ghana, qui est souvent cité comme l'un des très bons élèves de l'Afrique, il y a eu des dirigeants qui ont été déterminants dans cette évolution. On a vu des cas dans lesquels, 20 ans plus tard, la situation s'était améliorée et de nouveau a empiré. Ce qu'on a appris, ce que l'expérience nous a montré, c'est que sortir d'une situation de conflit, même lorsque le conflit s'est arrêté, prend énormément de temps. Et pendant que le problème est complexe, il y a des situations de réussite, il y a des situations dans lesquelles, malheureusement, les choses ne fonctionnent pas aussi bien. Ce qui est fondamental dans le processus de développement, et ça, ça a été vrai pour les économies aujourd'hui avancées dans leur histoire, et c'est vrai a fortiori dans le cas des pays en développement, c'est la qualité des institutions. Le processus de reconstruction, de réengagement dans ces économies qui ont connu des conflits, c'est essentiellement ça, c'est reconstruire des institutions. Mais la plupart du temps, et dans les pays dont on parle, ce n'est pas reconstruire. La plupart du temps, c'est construire. Parce que les conflits eux-mêmes ont généralement eu lieu parce que les institutions étaient incroyablement faibles. L'action des organisations internationales, des bailleurs de fonds, des agents extérieurs à un pays pour l'aider à retrouver un chemin de croissance régulier et soutenable, c'est essentiellement aider par des moyens économiques, par en donnant les moyens nécessaires d'aider à cette construction des institutions nécessaires au développement.